Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Q4OS 1.2.1. Q4OS, vous prenez une base Debian Jesse, vous rajoutez dessus l'interface Trinity qui est la suite de KDE 3.5, vous mélangez bien le tout, vous rajoutez quelques petits outils assez sympas et vous obtenez une distribution qui, selon moi, est quand même assez intéressante. Attendez, je vois un petit bug que je corrige. Donc, comme d'habitude, vous avez tous les détails techniques sur le blog avec un lien descriptif, mais cette fois-ci, je ne vais pas me contenter de vous présenter les outils, je vais vous montrer aussi certains en action. Bien sûr, c'est une machine virtuelle, bien sûr, ça ne sera pas aussi rapide que sur une vraie machine, mais ça va vous montrer comment ça fonctionne. On est parti. Comme c'est une Debian Jesse, elle utilise systemd. Donc là, sur certains plans, je préfère autant me taire. Donc nous avons un bon vieux écran de connexion qui fait penser à celui de KDE 3.5 pour les personnes qui ont connu. Donc on se le connecte. L'ensemble est très très bien traduit. On va dire qu'il est traduit à 90-95%. Avec quelques outils en anglais, c'est un peu ennuyeux. Voilà, donc là nous avons Trinity, enfin. Nous avons Q4OS qui est installé. Là, c'est le panneau d'accès. Bon, il est en anglais. Mais il y a plusieurs outils que je vais vous montrer rapidement. Voilà, ça, c'est quand même assez sympa parce que c'est rapide, comme vous pouvez le voir, au chargement. C'est normal, c'est Trinity. Donc, on peut lancer ce qu'on appelle le Desktop Profiler qui permet d'ajouter certains outils. On peut activer ou désactiver les effets de bureau, changer le menu de démarrage. Mettre en démarrage automatique, en connexion automatique, installer les codecs tiers, style pour support du MP3, du MP4 et compagnie, ou installer des applications à la demande. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il y a en vitesse. Voilà. Vous voyez quand même, ça fait un peu vieillot, mais c'est quand même le côté un peu nostalgique, et c'est surtout très, très, très léger. Parce que je vais vous montrer la taille qui consommait. Je pense qu'avec HTOP, on va pouvoir le voir, et ça ne doit pas être très beau. Alors là, on doit arriver à peu près à, on va dire, les 300 mégas de manger, même pas. On doit arriver dans les 299 à 300 mégas, non, 150 mégas de manger, voilà, autant pour moi. Il y a 150 mégas de manger. Donc, vous voyez la gourmandise de l'engin. Non, là, vraiment, c'est bon, je l'ai poussé un peu. C'est-à-dire qu'il conseille une machine minimum avec 128 mégas de mémoire vive, donc il faut compter 256 par sécurité. Un processeur à 300 MHz qui est conseillé. Bon, je vous montrerai après la page, mais c'est vraiment très, très, très léger. Donc, on va commencer par lancer Install Applications. On va essayer une ou deux applications parce qu'il propose des outils qui font penser un peu à ceux du paquet MSI. Donc, par exemple, je vais installer Synaptic. Par exemple, c'est un truc qui sera très léger. C'est un simple script. Voilà, c'est dans cette téléchargée. Donc je vais dans le dossier des documents. Voilà. Donc si je ne veux pas avoir la suite de Synaptic qui me sera utile, je double-clique. Voilà. Ça fait vraiment penser aux installateurs de Microsoft. Ça installe directement les logiciels. On voit vraiment que le boulot qui a été fait derrière. Ça c'est agréable, c'est pas la distribution qui a été fait à la va-vite avec le kit de personnalisation, un nouveau fond d'écran, un nouveau jeu de code, et boum, on balance sur DistroWatch. Non, on voit le boulot qu'il y a derrière. Déjà, c'est plaisant. Bon, là, j'ai pris par exemple Synaptic parce que c'est un outil qui va me servir pour la suite. Après ça, je vais installer un petit outil comme reprendre par exemple Mozilla Firefox qui n'est pas très lourd, et vous comprendrez pourquoi j'utilise Synaptic. Voilà, vous voyez, les paquets s'installent, c'est agréable. Il n'y a pas d'autre mot, c'est agréable. En dessous, on a une base de Jesse, donc quand même très récente, sachant que Jesse est sorti au moment où j'ai enregistré la vidéo depuis 3 ou 4 jours.
Donc un synaptique qui sera disponible pour avoir une personnalisation, enfin une installation plus simple ou plus technique, dirons-nous. Voilà, ça a demandé quoi? 3 minutes. Oh. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Donc voilà, on peut virer ce script d'installation. Boum, c'est fini. Donc je vais prendre par exemple Firefox. Comme ça on aura un navigateur plus récent que Trinity, que celui de Trinity, parce que c'est pas la joie. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que si on fait le test HTML5, les résultats ne sont pas des plus probants. Oui, sans commentaire. Donc là, on va quitter. On va installer Firefox. Ah, il installe directement la traduction. Il ne m'avait pas fait ça la dernière fois. Parce que j'avais fait des tests préliminaires, il ne m'avait pas mis la traduction. Méchant bas. Donc c'est quand même très agréable. Ça évite comme ça de se prendre la tête et se dire est-ce que le logiciel est traduit ou pas, ou est-ce que... Et apparemment aussi il installe le Grepfon Flash, à ce que je peux voir. Bon, pour les personnes qui ne sont pas super fans de Flash, c'est un peu ennuyeux. Mais si on veut avoir directement Flash, pourquoi pas. Donc vous voyez quand même, l'outil est très très bien. Bon, il n'y a pas 50 milliards de logiciels, mais ce logiciel est plus fréquemment utilisé, qui permettent comme ça d'avoir directement des outils pratiques. Là, on voit, je me répète, là je radote, je sais, mais on voit le beau boulot qui est fait. Le boulot de personnes qui sont sérieuses, qui ne font pas la distribution pour s'astiquer l'ego. Voilà, ça c'est dit. Donc normalement, si je le lance, quitte à le passer en français par la suite, j'aurai Mozilla Firefox, enfin IceWizzle. Oh, mais ce qui serait en français, le vilain. Mais c'est qui est en français, la vilaine bête. Mais oui, il est en français. Voilà. Donc là, je reviendrai après. Donc nous avons un navigateur moderne. Je vais passer par l'outil desktop. On va déjà installer les codecs propriétaires. Donc vous voyez, ça va installer tout ce qui est MP3, MP4, super. De certains outils, voilà, donc c'est, vous voyez quand même, bon, c'est vrai que c'est pas très gentil pour les personnes qui ont peur de la ligne de commande, mais ça fonctionne et ça fonctionne beaucoup mieux que certaines distributions qui sont beaucoup plus modernes, qui se basent sur d'autres distributions et qui en réalité se plantent dans les grandes largeurs. Là, comme ça, si on veut supporter tous les formatières, ce n'est pas assez directement. Mais au moins, on peut installer d'un simple clic de souris les formats non libres. Et ça, c'est bien. C'est même très bien. Même si ce n'est pas 100% libre, c'est bien pour les personnes qui ont envie de recycler des vieilles machines, style sous XP et compagnie. Donc là, on va passer au desktop provider. Voilà, il y a plusieurs options. On peut choisir tout. Par soi-même, la version avec les outils classiques ou la version complète. Voilà, donc je vais prendre la version complète, mais sur les outils qui ont été installés, donc automatiquement ça va les sauter. Mais voilà, c'est entièrement graphique, ça va peut-être prendre 10 minutes, mais au moins je suis sûr et certain d'avoir des outils comme un LibreOffice, comme un GIMP ou encore un VLC. Oula, ça va très vite, je vais même pas dire ce qu'il y a. Donc je vais vous montrer pendant ce temps-là le site officiel de Q4OS. Qui est très compliqué à trouver et qui s'appelle Q4OS.org. Voilà. C'est vraiment une distribution qui est faite pour... des personnes qui ont vraiment envie de bosser, quoi. C'est vraiment une solution bureautique pure et dure.
qui est très bien, qui est très légère, comme vous avez pu le voir, elle mange 150 mégas. Donc comme je précise dans l'article, quand on va sur la page de téléchargement, on peut lire Pentium 300, moi je dis plutôt Pentium 2, 128 mégas de mémoire vive et 3 gigas de disque. Autant dire que là, c'est vraiment les petites machines qui ont 8-9 ans qui peuvent encore tourner avec. Donc vous voyez, c'est ce qu'on avait déjà vu auparavant. Donc pour le moment, côté taille prise, étant donné qu'il n'y a pas de partition home séparée, on va savoir tout de suite. Alors sur notre système, si je le retrouve, c'est pas ça. Configuration, ouais, donc flash player, utilitaire peut-être, non. Vous voyez quand même, c'est assez rapide. Je ne vais pas retrouver l'outil qui permet de voir la taille prise. Bon, on va passer par la console. Hein. Donc, si on fait DF-H, il y a 2 gigas de consommé par l'installation. Et encore, je n'ai pas mis le cache. Donc, vous voyez quand même, il y a pas mal d'outils qui vont être installés. Apparemment, il y a Shotwell qui va être installé. Alors, moi, je m'excuse. Même si on n'était pas fan, 2,5 gigas qui vont être pris. Je m'excuse, il y a beaucoup de distributions avec 2,5 gigas qui ne font pas la moitié du quart du tiers que ce que fait cette distribution. Pour info, mon installation principale qui propose XFCE, j'ai rajouté LibreOffice, j'ai rajouté des outils de compilation, j'en suis à peu près à 4 gigas. Mais aussi quand même, j'ai tous les outils de compilation, j'ai Git, j'ai par rapport à des projets que j'utilise régulièrement. Mais aussi j'ai une bonne grosse installation. En gros, je dois avoir 3,5 gigas, 4 gigas de données. Mais vu tous les logiciels que j'ai, c'est pas si mal que ça. Donc là, voyez quand même, un OS qui demande 3 gigas d'espace disque pur et qui propose quand même un navigateur internet, une suite bureautique, des outils, un environnement complet. Le Trinity Desktop Environment. D'ailleurs, il faudra que je vous montre la page officielle du logiciel de l'environnement. Qui est basé sur Debian et qui ronronne apparemment très bien et qui est en français. D'ailleurs là vous pouvez voir, bon c'est vrai, il faut même un peu le look vieillot de Trinity, mais ça fonctionne. Alors nous avons dit Trinity Desktop Environment, je me rappelle plus, donc là je sais, j'aurais pu passer par DuckDuckGo, mais ça sera aussi rapide par là. Voilà, le TDE. Ça en clair, c'est le successeur de KDE 3.5. KDE 3.5 qui s'est arrêté il y a à peu près 6 ou 7 ans de mémoire. KDE 4.0. Hop ça. Le KDE 4 est sorti en 2007, donc ça va faire à peu près 6 ans que Trinity n'a pas été, enfin on est en 2015, donc ça va faire 7 ans à peu près que Trinity, enfin que KDE 3.5 n'a pas été mis à jour et que Trinity a permis de prendre la suite. Donc là normalement il va y avoir pas mal de petits outils supplémentaires qui vont être installés. Bien sûr c'est un peu long, mais ça vous montre l'ensemble en action. Et encore, en comparaison de la machine minimale conseillée, c'est un monstre que j'ai mis. Parce que il conseille 128 gigas, j'ai mis 2 gigas. Il conseille 3 gigas de disque, j'en ai mis 128. Et un double processeur, donc ça dépote pas mal. Donc je vais voir déjà ce qu'il y a comme nouveauté. Oh, ça va arriver petit à petit. Qu'est-ce qu'il y a? Bureau, Carite, Synaptique. On attend qu'ils finissent. Ah, il y a VLC qui va être installé. C'est très bien, comme ça au moins. Ah, c'est vrai que là, bon, mais c'était une base très basique, mais il y a quand même beaucoup d'outils qui ont été rajoutés. Bon, c'est vrai, ça aurait pu être tout en français, mais quand même, pour un OS d'origine anglaise, on voit quand même que c'est agréable. Qu'ils ont quand même penser
aux personnes qui ne parlent pas anglais, qui parlent allemand, espagnol, italien, portugais et compagnie. Donc ça, c'est quand même bien. Il paraîtrait qu'ils comptent supporter cette version jusqu'en 2020. J'espère pour la distribution qu'elle sera vraiment supportée jusqu'en 2020, parce que pour moi, c'est un projet qui est très 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 intéressant. Ce serait quand même bête qu'ils clamsent comme la énième distribution basée sur Ubuntu qui ne change que le fond d'écran. Voilà donc. On va ne paramétrer le reste. Je pense qu'une déconnexion-reconnexion nous permettra d'avoir l'ensemble. Il y a Shotwell qui a été rajouté. Ah bah ça commence déjà de compliquer. Il y a VLC. On a Shotwell, on a Pinta, on a QPDF apparemment. Mais il n'y a pas LibreOffice, donc il faut l'installer en parallèle. Donc je l'installerai après. Je pensais que LibreOffice serait installé directement, mais non. Apparemment pas. Dommage. Je pense que LibreOffice, on va pouvoir l'installer avec l'outil de script. En tout cas, ce que j'ai pu tester pour le moment, j'ai un très très bon a priori. Bien sûr, il faudrait tester sur le long terme, mais déjà, les outils comme ils sont présentés avec une base JSI, donc on sait automatiquement. D'accord. Ah, il y a LibreOffice Installer aussi. Bon, bien sûr, il rajoute Chrome. Bon, ben, on peut toujours l'enlever par la suite. Hein. Si on n'a pas envie d'avoir Chrome. C'est vrai que là, moi, je suis agréablement surpris. Très agréablement même. J'avais déjà parlé de la Q4OS à l'époque de la version 0.5.28 ou 27. Et déjà, j'avais été impressionné par la qualité de l'ensemble. Qui me changeait d'ailleurs des distribution de merde, il faut le dire, oui, que j'ai l'habitude de présenter. Donc là, on va voir, je pense qu'on va arriver maintenant dans les 2,5 Go ou pas loin. 2,7 Go. Donc on va arriver peut-être à 3 Go en sortant le. Bon. Faut aimer Chrome, mais je peux toujours l'enlever par la suite. C'est pour ça que j'ai rajouté Synaptic. Ah, LibreOffice apparemment va être installé en français. C'est vrai que là, bon, si on installe la version complète du Desktop Profiler, on se retrouve avec tous les outils bureautiques qu'il vous faut. Il n'y a pas à dire. Il n'y a même peut-être que l'embarras du choix, ou le choix de l'embarras. C'est là qu'on voit, et je me répète une nouvelle fois, le boulot qui a été pensé. On s'est dit, ils se sont dit, bon, les utilisateurs voudront peut-être ça, voudront peut-être ci, voudront peut-être ça, voudront peut-être pas ça. Au moins, c'est bien. On voit l'équipe sérieuse derrière. Et c'est un plaisir incroyable. Je peux vous dire que je voudrais avoir que des distros comme ça à vous présenter. Ça, c'est sûr et certain, je voudrais avoir que de ça. Ça me changerait un peu. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui a été rajouté? Les accessoires, donc bureautique, il y a QPDF. Bon, si vous avez besoin d'outils support du NTFS, il y a l'opportunité. VLC, outils système, donc pour gérer les utilisateurs, blablabla. Synaptique, bureau, donc la calculatrice. Donc on va lancer Shotwell par exemple, même si je n'ai pas d'image.
Donc il y a Shotwell. On pense que c'est la version 0.18 peut-être, ou 0.19. C'est la 0.20, donc c'est une dernière version assez récente de Shotwell. Donc je crois aussi avoir vu qu'il y avait Thunderbird qui est installé. À vérifier bien sûr. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal d'outils qui sont maintenant disponibles. Là, ah, c'est LibreOffice 4.3.3. Bon, mais je crois qu'il y a des correctifs qui ont été appliqués. Ce serait mieux une version 4.3.7, mais déjà on va pas s'en plaindre. Normalement, LibreOffice doit être en français. Tant qu'ils finissent d'installer MySQL. C'est bon. On va lancer LibreOffice pour voir ce que ça donne. Ouh oui, c'est très bien ça. Nous avons LibreOffice en français. Avec un joli icône qu'il faut aimer. Bon, ben ça, c'est. Ces icônes de type KDE. C'est agréable quand même. Donc déjà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On est sûr et certain que tout est installé en français dès le départ. C'est agréable. Donc là, il installe ASDOV alias Mozilla Thunderbird. Ce qui est bien, bon, bien sûr, il y a les noms qui sont gardés officiels des outils Debian. Mais pour les personnes qui migrent, le nom ancien de... Le nom connu, ça c'est très bien aussi. C'est vrai, c'est un peu long, là je meuble un peu, mais c'est quand même très agréable. Voilà, c'est terminé. Donc là, nous avons Mozilla Thunderbird. Là, on va fermer ça. Le fond d'écran, on va le changer. Configurer le bureau, donc on va changer le fond d'écran. Parce que ça commence à être un peu... Alors, on va voir les fonds d'écran disponibles. C'est apparemment certaines images qui sont pétées, c'est pas grave. Voyons, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Les images qui sont pas mal. Tiens, on va prendre celle-là. On va mettre quelque chose de reposant. Et là, on apprécie quand même les effets de transparence. Voilà, donc tout ce qui est disponible avec Synaptic qui va sûrement me demander le passage. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de Google Chrome, je vais le désinstaller. Au revoir. Je n'aime pas Google Chrome, donc c'est pour ça que je l'ai désinstallé. Donc, Google Chrome stable, on va aussi le supprimer. Si vous voulez garder Google Chrome, hein, c'est votre choix. Donc c'est ça qui est bien. Voilà, donc là. Vont être supprimés. Donc tout ça, on peut les envoyer. Ils sont orphelins. Voilà, donc là, on va réorganiser les icônes. On va réorganiser les icônes. On va mettre ça, par exemple, on va mettre celle-là, là. Et on va le mettre aligné sur la grille. Voilà. Donc, vous voyez, quand même, c'est très agréable. C'est rapide à l'emploi. Bon, vous voyez, il y a un petit côté vieillot de... Conqueror, mais avoir quand même la dernière version de Trinity, c'est quand même agréable quoi. C'est, vous voyez quand même que c'est très rapide. Donc je lance Firefox. Voilà, je vais lancer en parallèle, on va prendre
le Thunderbird par exemple, même si je ne crée aucun compte. Pour jongler entre les fenêtres, c'est pas très compliqué. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer? Donc là, vraiment, je suis vraiment conquis, comme vous pouvez le voir, parce que là, dans les programmes installés, donc on a bien sûr LibreOffice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, côté internet, on a ça. VLC, côté outils système, utilitaire, bureau. Éducatif, donc à quelques outils, voilà. Il n'y a aucun jeu par contre, mais c'est normal, c'est un, c'est à destination bureautique. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez quand même l'ensemble est très 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 agréable d'emploi, c'est rapide, c'est pas trop lourd. Je crois que maintenant, même si on fait avec tout ce que j'ai installé, on arrive à 3 gigas. Donc je vais faire un sudo apt clean, ça. On arrive à 2 gigas à 7 installés. Donc même si on pouvait gagner, grappiller quelques mégaoctets de plus avec Local Purge, moi je vous avoue que c'est une distribution qui me plaît beaucoup, qui n'est pas extrêmement gourmande, qui est très bien conçue et qui pourrait vous convenir si vous recherchez, vous avez un vieux ordinateur sous XP ou sous Vista qui est très allant et que vous voulez le remplacer par un système Linux. Voilà. Je déconnecte et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous!